C'est surtout ça. Justement, la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. On nous a appris ça quand on était petit. C'était parfait. Car quand la tante Yvonne ou le cousin Léon, avec des mots gentils, nous apportait tout juste un paquet de bonbons au lieu du beau cadeau qu'en vain nous convoitions, nous étions bien déçus. Mais pensant aux principes que nos parents prudents nous avaient inculqués, nous les remercions et tendions à leur lippe nos joues reconnaissantes d'enfants bien éduqués. Puis nous avons vieilli. Devenue grande personne, à notre tour, pas fou, nous avons répété « La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne » en épiant nos amis, gracieux, mais dépités. On venge ainsi les déceptions de son enfance. Mais malheureusement, chacun en fait autant et chacun rivalise d'astuces et de prévenances pour nous faire encorser les plus affreux présents. Il y a la grosse dame qui vous sort de ses poches un paquet alléchant, mais dont le contenu est une chemise en laine et si grande et si moche qu'on sait tout de suite à qui elle a appartenu. Vous jetez un coup d'œil sur l'ampleur des mesures. C'est alors que la dame, avec un air sournois, pour vous clouer le bec aussitôt vous susurre « J'espère qu'elle vous plaît. J'ai choisi comme pour moi. » Il y a le vieux monsieur qui, pour la fin d'année, vous apporte une boîte dûment enrubannée. Vous vous voyez déjà vous mettant jusque-là de bons marrons glacés ou bien des chocolats. Mais avant que d'avoir défait les faveurs roses, le monsieur vous prévient « Je me suis rappelé que vous aviez le foie menacé de cirrhose et que vous n'aviez droit qu'à des acidulés. » Votre foi est splendide. Jamais le moindre indice d'une quelconque maladie. Vous êtes vraiment furieux. Et de contrariété, vous faites une bonne jaunisse qui vient donner raison à votre vieux monsieur. Il y a l'ami qui vous offre un bouquet de violettes. En vous disant ravi, j'ai choisi ces fleurettes pensant que vous deviez être bien excédé de recevoir toujours roses et orchidées. L'intention est charmante, mais malheureusement, tous vos amis ont eu le même raisonnement et 24 bouquets bêtement similaires mobilisent en un jour 24 de vos vers. Et dans ce cas encore, personne ne ronchonne, docilement, on dit sans grande conviction, « La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne et l'on range à la fois cadeau et déception. » Eh bien non! Pour ma part, je renie cet adage et tiens à déclarer à tout mon entourage que le cadeau qu'on m'offre me fait plus de plaisir que la façon souriante qu'on a de me l'offrir. Je préfère un vison qu'on me jette à la face avec un œil méchant et un air dégoûté au paquet de bonbons que l'on m'offre avec grâce. S'il se trouve un de vous, messieurs, pour en douter, je demeure à vos ordres pour vous le démontrer. Eh ben, tiens. Oh! Oh! Oh, ben ça, alors! Eh ben? Eh ben, j'avais dit du vison, pas de la queue de vison. Oh!